Wouche. Wouche à toi, cher spectateur, et bienvenue dans Absurdissimo, la nouvelle chronique Absurdissimo. Sur... Absurdissimo. Voilà, c'est joliment dit par Mathieu. La nouvelle chronique donc sur Absurde Séance, présentée bon, par Mathieu et moi-même. Bonjour à toi, Mathieu. C'est vrai qu'on ne se dit même pas bonjour, dis donc, on commence ça. On ne se dit même pas bonjour. La politesse est de mise. Et donc, pour ce premier numéro, alors on va pas revenir sur la première absurde séance qui a eu lieu, on va revenir sur la nuit fantastique qui s'est déroulée durant la SNIF, donc l'absurde séance internationale film festival, parce que l'absurde séance a besoin d'un acronyme maintenant et ça fait plus classe quand même. C'est vrai que quasiment tous les festivals de cinéma de genre ont un acronyme qui finit par IF en plus. Donc, la nuit fantastique, comme d'habitude, Jean Maurice nous diffuse 4 longs métrages entre 22h30 et 7h du matin, vu que généralement il est un petit peu à la bourre, donc ça s'étale. 3 films de genre et un film considéré comme une merde. Voilà, c'est ça. Pour une fois, la merde ne passait pas en dernier. Elle devait passer en avant-dernier. Et même finalement, elle est passée en premier. On va dire ça comme cela. Ouais. On va commencer tout de suite, Mathieu, qu'en penses-tu ? Je suis tout à fait d'accord. Alors commençons donc par le premier film qui a été montré dans le festival. Enfin, la nuit fantastique, mais qui n'était pas le premier sur la liste, Daylight's End, un film de zombies réalisé par William Kaufman. Donc 1h45, et pendant ces 1h45, que se passe-t-il, Valentin ? Il y a un mec, il est tout seul sur la Terre, en fait il n'est pas tout seul, et il va essayer de survivre avec un groupe de survivants à Dallas. Voilà. Il s'appelle pas Kennedy, il a une chance. Ouais. En fait, ça commence comme du Manax, ça continue comme du Empire de Carpenter, mais là où Carpenter jouait avec les codes et avec le genre, et ben là par contre, c'est vraiment le cahier des charges respecté point par point. Chaque personnage est son cliché, chaque situation est son cliché, et chaque mouvement de caméra, ben, c'est le mouvement de caméra bateau, banal, et avec une image ben, très plate. Alors pour vous donner un ordre d'idée, si Mad Max et le Walking Dead avaient un enfant trisomique foiré... Après une sodomie. Ça serait Daylight's End. Parce que c'est pas bon, quoi. En fait, ça commençait bien avec une scène dans un frigo, mais malheureusement, ça n'a pas su continuer à durer, justement à cause du côté clichetonnard de l'ensemble. Et il y avait Lance Henriksen. Ça, c'est le bon point. Oui, c'est vrai que là, on va rappeler dessus, mais il y a quand même un sacré paquet d'acteurs secondaires qui... Enfin, en fait, c'est la plus grande force du film. Là où il manque complètement d'originalité, où il est cliché, où il est lourd, où il est moche, il a quand même des acteurs secondaires. Parce que l'acteur principal, on pourra en parler, mais c'est une catastrophe. Mais il y a des acteurs secondaires qui ont vraiment de la gueule, qui viennent d'un petit peu partout. Il y a des acteurs de séries, il y a des acteurs de cinéma, il y a des acteurs de films bis. Il y a plein de gueules qui sont assez connues, mais sur lesquelles vous aurez un peu du mal à poser des noms. Les seconds couteaux. Voilà. Mais voilà, on sent que les mecs, ils avaient quand même une envie au niveau du casting. Et c'est le plus gros point fort en fait du film quand on en ressort. On se dit, ok, c'est foiré, c'est moche, c'est con. Mais il y a une envie de faire un casting secondaire quand même assez cool. Et surtout, ce qui est dommage, hein, c'est qu'il y avait des idées dans le scénario qui auraient pu être exploitées. Par exemple, le fait qu'il y ait un zombie alpha, ben, ça aurait pu être écrémé, mais malheureusement, ça n'a pas servi à susciter de l'intérêt. Par contre, donc, il dit que le personnage principal, j'ai pas son nom... Johnny Strong, l'acteur qui joue Johnny Strong, qui est d'ailleurs aussi le compositeur de la musique. Et producteur du film. Producteur du film, un petit peu à sa gloire. Tu penses que c'est une catastrophe ? Moi, je pensais que c'était plutôt genre comme un yaourt au boulgour, quoi, assez fade. c'est une jolie métaphore. Mais ouais, moi, je le trouve pas bon, en fait. Et le problème, c'est que, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on sent que c'est un film de producteur. C'est-à-dire l'acteur principal et le producteur et le compositeur de la musique. On pourra appuyer dessus, mais la musique est une catastrophe aussi. Elle a tendance à surappuyer l'action, mais d'une manière extrêmement violente. Il y a une scène dramatique à un moment où un personnage, des personnages important meurt parce qu'il s'est fait mordre. La musique aurait pu s'arrêter au moment où il meurt pour cristalliser l'instant et faire en sorte qu'on ait une émotion, qu'on se dise oh merde, le mec il est mort, mais il était beau, il était intéressant. Et non, la musique continue, mais elle monte, elle continue de monter. C'est comme si il savait pas à quel moment amener le crescendo de la scène. Faut savoir quand pisser. Et donc je pense qu'en fait, je crois que j'ai vaguement recherché, je crois qu'à la base Johnny Strong c'est un chanteur de country américaine. Ah. Et en fait, il n'est pas acteur de formation. Donc je pense qu'en gros, il a vu le projet, il s'est mis en tant que producteur, il s'est mis en tant que compositeur, l'acteur principal les a lâchés, et il a dit « Oh bah tiens, et si je remplaçais l'acteur principal, je sais plutôt bien jouer. Regarde quand je suis stoïque et que je sais faire le Mad Max du pauvre,
En tout cas, maintenant que je sais que c'est un chanteur de country, ça explique les lunettes de soleil. Mais ouais, puis c'est pas super quoi. Là, Chad Lowe au niveau de l'écriture, il a rien fait d'extraordinaire. William Kaufman à la mise en scène, il fait du sous Walking Dead, mais vraiment de manière violente. C'est rien que la scène où il rentre dans Dallas, on pense tout de suite au premier épisode de Walking Dead quand il y a le personnage principal à cheval qui rentre dans Dallas. C'est... On t'aime Rick Grimes. Ah non, mais ça marche pas quoi. Donc on continue. Alors là, c'est le lourd du lourd quand même. Là, c'était le gros du gros de la soirée. Même si c'est pas le meilleur film. Alors, 31 de Rob Zombie. Alors, cette fois, c'est moi qui résume. Donc, c'est l'histoire d'un cirque itinérant avec des clowns, aussi des clowns. Des clowns. Oui, en fait, je crois que on ne connaît pas leur métier, au sens leur talent, parce que tout ce qu'on les voit faire, c'est les années 70, hein, je précise, c'est baiser dans le van, ou bien encore mettre des masques de gorille, parce que apparemment ce serait cool pour draguer. Visiblement, il arrive bien à draguer quand même. Ah oui. Mais il n'arrive pas à tirer son coup. Donc, là, sur ces entrefaits, parce qu'il ne peut pas y avoir que ça dans ce film, il tombe dans une station-service pour faire un plein, mais ils y découvrent des gens et qui, en fait, vont les amener sur une route perdue. Et sur cette route perdue, comme d'habitude, eh ben, il fallait pas y aller parce qu'il y a des nains zombies espagnols, enfin mexicains. Et en plus, c'est le soir d'Halloween. Ah, c'est pas zombie, en plus c'est nazi, pardon. Les nazis, ouais. C'est un autre cliché. Par contre, ils ont tous des tronches de nazis. Ah bah, ils ont tous des tronches de nazis, hein. C'est et quelle est la révélation? Pourquoi c'est cela? Pourquoi? Comment c'est possible? Et bah, c'est parce que c'est des riches qui veulent s'amuser sur des pauvres. Et oui, c'est Hostel, mais avec l'esthétique de Rob Zombie, qui commençait avec un excellent premier plan, mais qui malheureusement n'a pas réussi à tenir sur la longueur. Alors, tu trouves que ça tient pas sur la longueur? Non. Ouais. Moi, je trouve que... Alors, Rob Zombie... Pour replacer, c'est quand même un metteur en scène qui est assez emblématique d'une production d'horreur américaine indépendante. Donc, on rappelle La Maison des Mille Morts, The Devil's Reject, le diptyque du remake d'Halloween, Lords of Salem, et donc maintenant 31. Lui, il a commencé dans le hard rock, donc c'est pas de la country, ça. Et c'est vrai qu'il y a un petit fil conducteur entre les deux films, la musique. Oui, qui sait. Donc... Mais toi, t'en as pensé quoi, toi, du film résultat? Allez, je te lance d'abord. C'est un petit peu comme là, ce qu'on vient de faire. Un petit peu... Tous essayent de se mettre en même temps. C'est bien que ça s'entrechoque. Et donc, moi, j'étais sur une mise en scène trop hystérique. Des personnages qui ne voient pas plus loin que leur cliché. Et surtout, une narration. Bah, c'est un méchant, puis un méchant, puis un méchant. Avec, de temps en temps, des petites coupures, comme des intermèdes. Avec les riches poudrés. Donc... Ah, ça va pas très loin comme critique, et malheureusement, c'est pas aussi bon qu'on pourrait attendre d'un réalisateur qui a fait quand même 6 films. Donc, et 6 films qui sont quand même des œuvres qui, à leur manière, ont tenté d'apporter quelque chose au cinéma d'horreur. Enfin, La Maison des Mille Morts, c'est quand même... C'était une démarche, effectivement, d'auteur de genre. C'est ça. Ensuite, on a enchaîné là, avec The Devil's Reject, où c'était quand même un des films les plus emblématiques du cinéma de genre américain actuel, parce que c'est un mec qui nous met du point de vue des méchants, et on accepte ça en plus, ça nous dérange pas tant que ça. Halloween, bon voilà, pas besoin d'en parler. The Lord of Salem, c'était au moins une expérience graphique, au-delà d'être quelque chose de narrativement qui tentait quelque chose. Mm-hmm. C'est un peu foiré, mais ça tentait quelque chose. 31, je trouve que c'est dans la même veine que Lords of Salem. C'est-à-dire, on en ressort, on a la sensation d'avoir vu quelque chose de pas fini, d'incomplet, auquel il manque quelque chose, mais on est quand même dedans. Et graphiquement, il tente des choses. Mais le film est extrêmement problématique au niveau de ses tentatives graphiques, parce que des fois ça passe et des fois ça casse, mais genre ça casse vénère, quoi. Par contre, numériquement, pendant le début du film, il nous assène plein de chiffres, jamais le 31. Juste à part que c'est le nom de la soirée de truc. Et enfin, on comprend, parce qu'ils donnent un mot qui permet de le comprendre, ils disent « Joyeux Halloween », bah donc, en fait, c'est le 31 octobre. C'est pour ça, le 31. Voilà. Merci. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 31 mecs qui leur tombent dessus. Moi, j'avais envie qu'il y avait 31 mecs... 31 meurtres, voilà. Un rituel. Mais non, même pas. Donc, c'est dommage. Mais ouais, en soi... En fait, moi, ce qui m'a dérangé aussi dans le film, je sais pas si tu l'as remarqué, il faut vraiment que Rob Zombie, il se calme sur filmer sa femme. Parce que franchement, le mec, il fait que ça. Et c'était déjà un problème dans Lords of Salem. C'est-à-dire qu'en gros, son personnage, on sentait qu'il voulait le faire crever, mais il le faisait pas parce que c'est sa femme. Et là, bah, on a un peu cette même sensation. C'est-à-dire que la fin, moi, je la trouve extrêmement gentillette, quoi.
c'est Rob Zombie, c'est un mec qui est supposé être hardcore et vraiment violent dans ce qu'il fait au niveau cinématographique. Et bah merde, la fin, elle est ultra attendue, elle est ultra cliché, quoi. Même si elle est classe, y a rien à dire là-dessus, elle est classe. On s'attend limite à un Rape and Revenge ensuite, ça va péter. Mais voilà, c'est trop consensuel pour être du Rob Zombie, quoi. Ça sera pour 32. Attention, Rob Zombie, tu vas finir par devenir Jess Franco. Ça va être là. Le troisième. Le troisième, qui aurait dû être le premier. Scare Campaign. Alors là, il est marqué Campaign avec un O. En fait, c'est avec un A. Parce qu'il s'agit d'une campagne de terreur. Dans un hôpital hanté. Un nouveau gardien de nuit est confronté à un mort qui s'est relevé. Mais en fait, c'est blague. Truqué. C'est une blague. C'était une émission de télé. Parce que la télé-réalité, ça continue à faire de la merde. Mais là, c'est une émission qui n'est pas complètement de merde, mais elle est complètement cassée par la bande parce que sur Internet, dans le deep web, là, il y a des gens qui font des trucs encore plus horribles, encore plus hardcore, encore plus effrayants. 19, voilà. Et donc, une productrice, évidemment, avide, qui a envie de rafler toute la mise, veut que la prochaine et dernière émission de la saison soit encore plus hardcore. Donc là, il va falloir mettre un maximum sur les nouveaux gars, le nouveau gars à titiller. Or, donc, dans un nouvel asile, on envoie un nouveau gardien, et il se trouve que c'est un ancien pensionnaire. Et qu'il a un peu pété du ciboulot. Mais, dans l'univers de la télé, est-ce que tout est ce qu'on croit voir? Voilà. Eh ben ouais, eh ben c'est la jolie surprise de la soirée, je trouve. Oui, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est la vraie surprise de la soirée. C'est-à-dire que finalement, quand on est arrivé à ce film-là, on s'est dit que c'est bien qu'il nous ait passé la merde en premier. Parce que si ça avait été la merde à ce moment-là, on se serait tous endormis et ça aurait niqué la soirée, mais genre vénère. Et là, celui-là, cette petite perle australienne, donc réalisée par Cameron et Colin Cairns, sans doute des frères, c'est vraiment rafraîchissant, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais ouais. Ah, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire qu'à mon avis, ce film-là est vraiment un bon film, puisque justement, on tombe d'accord là-dessus. C'est narrativement bien pensé, parce qu'il y a des twists qui viennent. Bon, c'est pas du Shyamalan, hein, c'est pas du gros twist. C'est, ouais, mais c'est bien senti, quoi. Mais c'est quand même très, très fluide. On a pas, justement, un twist qui retourne tout complètement. Mais ça retourne suffisamment et en restant cohérent avec l'univers qu'il essaie de proposer. Ensuite, y a des moments bien gore. On sent aussi des poupées en latex. Ah, c'était chouette. Ouais. À coups de couteau, de scie. Il y avait aussi un très très, très, très bon gag avec une scie circulaire. Oui. Franchement, là, toute la salle s'est marrée. Ah, ça, c'était bien pensé. Et surtout, ben, ça servait parce que c'était utile à l'histoire. Ouais. Non, mais c'est vraiment cool de voir des films comme ça. Et puis on sent que la production australienne, elle essaye de vraiment rechercher des nouveaux concepts. Enfin, moi, ce qui me marque quand je pense au cinéma australien de genre, c'est forcément les Wolf Creek. Évidemment. Mais voilà. Et Mad Max. Et Mad Max, évidemment. Et là, on sent que voilà, il y a cette espèce d'esprit un peu décalé où il va y avoir quand même une critique derrière, où les mecs vont vraiment ouvertement nous dire ouais, la télé-réalité, elle commence vraiment à dériver n'importe comment. Et avec Internet, en plus, ça devient vraiment n'importe quoi parce qu'il faut concurrencer Internet. Il faut plus le compléter, il faut le concurrencer. Donc là, il y a une jolie filiation. Et puis tout ce qu'il y a dans la métaphore de fin aussi, qui est quand même extrêmement drôle à la fois et extrêmement macabre, notamment avec une réplique du personnage du réalisateur qui est quand même à mourir de rire. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était quand même énorme. En gros, bon, spoil, à la fin, donc les mecs masqués arrivent à les retrouver. Ils commencent à être torturés. Ils leur font croire qu'il y en a deux qui vont survivre, mais en fait, c'est pas vrai. Et en fait, le réalisateur les regarde, les mecs masqués, et plutôt que de dire non, ne me faites pas crever, il les regarde et il fait. C'est quand même bien fait. Hein. Ouais. Et je pense que tout est là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ça. C'est quand même bien fait parce que, résultat, c'est pas forcément très original comme concept. Mais la manière avec laquelle il est fait, au niveau réel, au niveau scénario et au niveau concept, ça fonctionne. Et je pense que c'est une référence à Diary of the Dead de Romero. C'est où, justement, il y a aussi un réalisateur qui se jette sur les zombies pour faire un beau plan de meurtre par les zombies. Donc franchement t'es... Tout pour la caméra. Voilà. Si vous voulez. D'ailleurs je vais me mettre à poil pour faire plus de vues tout de suite, je pense que c'est plus... Oh. Mais voilà. C'est aussi sur internet ce genre de vidéo. Mais, ouais. Et le pire, ouais. Mais voilà, Scare Campaign, c'est vraiment la petite surprise de la soirée qui a fait du bien, qui était rafraîchissante, qui était fun, qui était drôle et qui était bien décalée aussi, mais...
Voilà, quand on en est ressorti, on avait la pêche pour le quatrième film. Ah, le classique, parce que là, c'était pas une surprise, c'était un film attendu. Ouais, très attendu. Rikkyo, Story of Rikki, de Lam Nai Choi. Qui est un putain de film culte. Oh, alors avant de commencer, je vous mettrai le lien, là, ça devrait apparaître dans le coin de la vidéo. Mais Mathieu, il a fait une vidéo sur sa chaîne sur Rikkyo, donc je vous invite à aller regarder. Bah tiens, j'ai envie de me tourner vers l'expert de Rikkyo. Mmh. Qu'est-ce que ça raconte, Rikkyo, Mathieu ? Alors, Rikkyo, à la base, c'est un manga, donc une BD japonaise, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Rikkyo Saiga, qui recherche son frère dans une prison. Il a été enfermé parce qu'il a assassiné un chef yakuza, et il se trouve que Rikkyo Saiga a une étoile de David sur la main droite, tandis que son frère, lui, a une croix gammée sur la main gauche. Et là, c'est le premier arc, c'est ce qui se passe dans la prison. Ça finit avec une histoire de voyage dans le temps, de dictateur nazi eugéniste, parce qu'on pense qu'en fait, Rikkyo et son frère sont les enfants d'Adolf Hitler et d'une juive japonaise. Et tous les deux, ils doivent devenir l'enfant de l'apocalypse avec des pouvoirs psychiques. Il n'y a pas de pouvoir psychique dans le premier arc, il y a juste des coups de poing qui défoncent des murs et des torses, et c'est franchement gore et génial. Donc, Rikkyo, le film, lui, est c'est un beaucoup plus film, light. Voilà, c'est un film de catégorie 3 hongkongais, tourné à Macao. À la base, interdit au moins de 18 ans, mais finalement rabattu sur un moins de 16. Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, la catégorie 3, c'est la catégorie de film qui ne passe pas devant une commission de censure. Oui, c'est donc, ça. Donc, on y met du sang, du sexe et de la politique. Donc, bah, comme on a dit, là, il n'y a pas l'histoire de l'étoile de David, la croix gammée, et dictateur de voyage dans le temps, ces conneries. Mais il y a une histoire des Romains. Ah oui. Si c'est tout minier. Et ça, c'est un très bon point par rapport à la BD. Donc, il y a Rikkyo qui arrive en prison parce qu'il a tué au moins une personne. Et il a 6 balles dans le torse, mais sans aucune cicatrice. Alors qu'on n'arrête pas de lui dire qu'il y a la cicatrice. Et donc, en faisant son trou, c'est le cas de le dire, dans la prison, il fait aussi trou dans ses collègues qui sont pas gentils. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Valentin ? Eh ben, je l'avais déjà vu, parce que tu me l'avais conseillé. Parce que Mathieu, il arrête pas de parler de ce film. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on s'est rencontré avec Mathieu, c'est l'un des premiers films dont il m'a parlé. Donc, résultat, je me suis dit, je vais me jeter dessus, faut que je le regarde. Eh ben, c'est un putain de délire. C'est énorme, ce film. C'est l'un des films les plus gores que j'ai vu de toute ma vie. Mais l'un des films les plus gores et qui utilise des effets plateaux qui sont excellents. Bien sûr. C'est un des films avec les meilleurs effets plateaux gore de l'histoire du cinéma, je trouve. C'est drôle, c'est délirant, c'est jouissif. On se tape une barre énorme devant le film. Et en plus, c'est prenant du début à la fin. Même si tout de même, je trouve qu'il a des longueurs. Ah oui, c'est un peu le problème. Ouais. D'un tout petit budget, c'est un série Z à la base. Hein. Et surtout un série Z hongkongais. Donc c'est sûr que c'est pas de la série Z américaine. Ouais. Mais. Bon. Et donc toi, c'est ton film culte. Quoi. C'est un de mes films préférés. c'est le genre de film. J'aimerais faire un remake hommage quand j'aurai des sous et de l'expérience. Et une bonne maquilleuse capable de faire des prothèses comme ça, où tu peux faire en sorte qu'un mec se plante sur une planche cloutée et qu'il ait un clou qui lui rentre dans l'œil et qu'il fasse ah oui. Ou encore un mec qui se fait couper les tendons du bras et qui se et les avec les dents. Ah, c'est le film est pété, quoi. Pour vous dire, en gros, dans n'importe quel film, lorsque quelqu'un va, par exemple, donner un coup dans le bide et retirer le cœur à la Mortal Kombat, on le montre pas. C'est-à-dire qu'en gros, généralement, ça fait ça, et puis quand on revoit le deuxième plan, on voit le mec avec le cœur. Là, il y a tout qui est montré. Le mec transperce le torse, on voit le torse qui se fait transpercer, on voit le mec retirer le cœur, il y a encore le cœur qui bat dans sa main, et l'autre qui commence à balader avec le cœur en moins. Qui fait... En fait, c'était des tripes. Mais c'est vrai que là, c'était un gros ventre. J'ai l'impression que c'est vrai que oui, tu vas me dire, ouais, c'est là. Mais ouais, c'est quand même... c'est énorme comme film. Enfin, c'est un film qui a des tripes. Et puis pour le coup, c'est un film qui a des tripes. Mais au final, et puis ouais, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que la salle a été vachement réactive sur ce film-là, alors que c'est quand même le dernier film, et généralement... Entre 4h et 6h du mat. Il y a un petit coup de mou, et là, pas du tout, quoi. Tout le monde était à fond dedans, c'était vraiment génial, il y avait une putain d'ambiance, enfin, c'était fun. Je veux dire, en fait, il n'y a pas vraiment de temps mort. Par contre, il y avait un problème de temps, c'est au niveau des sous-titres. Ce qui a rendu l'expérience encore plus surréaliste, c'est que les sous-titres se décalaient de plus en plus dans le temps. À un moment, il y avait quasiment 5 secondes de dérapage avec les sous-titres. Si bien que, on entendait donc
ces voix cantonaises, déjà ça sonne extraterrestre aux oreilles françaises, Avec qui les était, sous-titres décalés en voilà. plus. Donc quand tu voyais Ricky qui parlait, mais en fait il n'y avait rien marqué en dessous, et tu avais les paroles de Ricky retranscrites quand c'était ses ennemis qui parlaient. Ça faisait bizarre. C'était assez surréaliste, ouais. Et puis Mais. aussi bon ben c'était assez mal traduit, parce qu'à mon avis, ils ont traduit d'après les sous-titres anglais, Oui, c'est ceux qui étaient possible. disponibles. Ouais. Et malheureusement, la traduction n'est pas bonne tout le temps. Et c'est pas seulement parce qu'on n'arrivait pas à mettre les OE, quand ils sont attachés, je sais plus comment ça s'appelle cette lettre. Mais là, ça paraissait pas, si bien que c'était pas des sœurs, c'était des sûres, c'était pas des cœurs, c'était des cures, etc. Et c'était pas des œufs, mais c'était des ufs. Encore que non, il n'y avait pas d'œufs. C'est conceptuel. Et Bon. ben, petit bilan de la soirée au final. Alors, dans l'ensemble, toi, t'en gardes un bon souvenir? Tu trouves que c'est un bon cru cette année, Alors, l'année par fantastique? rapport au festival, parce que j'ai fait quasiment tous les films, sauf un que j'ai raté, c'était une soirée plutôt moyenne. Il y avait des films pas mauvais, mais ce n'était pas à la hauteur des films qui ont été présentés à la SNIFC. Là, c'était vraiment un très bon cru. Ensuite, par rapport à la soirée elle-même, je me suis pas emmerdé, je suis pas endormi, donc là plutôt c'est du positif, et ça a été crescendo surtout. Donc je n'ai pas eu un coup de mou, et surtout ben donc c'était du plus mauvais au meilleur, ou au moins à celui qui nous réveille le plus. Ouais. Alors moi je trouve que la nuit en soi, vu que j'ai pas pu faire le festival, la nuit en soi est bonne parce que j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance. Enfin, ça. Mais une ambiance Oui. différente des années précédentes. C'est-à-dire que là où d'habitude tout le monde gueule pendant tous les films, là ce qui m'a fasciné c'est que sur 31 de Rob Zombie, il y a eu quasiment tout le long du film un silence complet. Il y avait un truc religieux Un sur le Rob silence de Zombie. mort. C'était vraiment tout le monde était en fascination devant le long métrage. Et ça arrive tellement rarement, je trouve. Que résultat, j'ai trouvé ça vraiment marquant. Et puis, ouais, pareil comme toi, j'ai pas eu de coup de mou. Là, pour une fois, pas de coup de mou du début à la fin. On était à fond dedans tout le temps et c'était vraiment cool. Donc continue comme ça, Jambo. Et ben voilà, on va teaser un petit peu. Il y Yep. aura des journaux de bord où tu vas revenir sur le festival quand même, Ah qui oui. seront diffusés sur la chaîne. On les mettra en ligne au fur et à mesure. Et ben voilà, c'est tout, on va s'arrêter là. C'est déjà bien. Et donc, prochaine absurde séance, ça va être Jinro, un animé japonais qui est comme ça, une adaptation de, comment s'appelle, Le Petit Chaperon Rouge, la version de Grimm, mais dans un Japon totalitaire. C'était donc ça cette bande-annonce. Ah, oh, Oui! ça a l'air d'être bien. Ah! Donc ça Ça, c'est le prochain. oui. Eh ben dis donc, ça va Ah. être fun, je sens. Tu vois, je Ouh, on ne va l'ai se vu qu'une marrer. seule fois, mais c'est marquant. C'est un petit peu comme Ghost in the Shell au niveau de la qualité. Eh ben dis Même si donc. c'est pas du tout le même message. Eh ben vivement dans 2 semaines. Donc on vous y retrouvera, j'espère. Et puis bah d'ici là, on va dire aux gens de continuer à regarder des films absurdes. Parce que c'est bien de regarder des films absurdes. Oh oui, surtout l'absurde séance. Et on va terminer par un petit cri de l'absurde séance, comme Tout à d'habitude. fait. Allez. Restez calme et ouf! Ouch!